Salut, voilà, c'est toujours moi, nous sommes Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Donc, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Voilà, moi je vais bien. Voilà, on fait avec. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, je vais vous indiquer un peu comment est-ce qu'il faut postuler à la bourse de la Corée du Sud. Voilà, en fait, j'avais reçu l'information, mais j'attendais que les informations soient effectives avant de vous donner des aperçus. Donc, d'abord, pour postuler à la bourse de la Corée, sachez que c'est vrai, la date maximale, c'est quoi? C'est le 12 mars. Mais ce que vous devez faire, vous devez appeler les ambassades de la Corée qui sont situées juste dans vos pays. Voilà, pour pouvoir savoir. Parce que cela dépend. La date de fin dépend de chaque pays. Voilà. Donc, vous appelez l'ambassade. Et puis, vous allez savoir quelle est la date de fin dans votre pays. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, tout simplement, pour pouvoir postuler à cette bourse, il faut être pour la licence. Il faut être âgé de moins de 25 ans. Voilà. Et pour le master ou doctorat, c'est être âgé de moins de 40 ans. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, en ce qui concerne les dossiers à fournir et tout ça, dans la prochaine vidéo, je vais vous indiquer comment ça se passe, parce que dans cette vidéo, la bourse de la Corée du Sud est comme la bourse de la Turquie. Il faut d'abord s'enregistrer et ensuite, lorsque vous finissez de vous enregistrer sur le site, voilà, vous allez maintenant commencer à postuler. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors aujourd'hui, je suis là juste pour vous montrer comment est-ce que on s'enregistre et après, on verra comment faire. Voilà, donc on y va et à tout à l'heure. Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours bon le Sam Hospital. Donc, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Et aujourd'hui, je suis juste là pour vous donner une information capitale qui est. Alors, donc, aujourd'hui, comme je vous le disais, je voulais juste vous parler de la bourse de la Belgique. Voilà, la bourse est ouverte et ça concerne la licence et le master. Maintenant, ceux qui veulent par exemple faire des cours de 6 cours, c'est-à-dire ceux qui veulent faire 2 ans, 1 an, voilà, tout ça, ou bien ceux qui veulent faire aussi des stages, c'est possible de le faire. Donc, la bourse de Belgique, sachez que j'avais décidé comme ça de ne pas faire de vidéo parce que j'avais pas assez de temps sur cette bourse-là, parce que cette bourse-là, elle est un peu délicate. Voilà, pour pouvoir postuler, il faut maîtriser des éléments, donc il fallait que j'ai assez de temps pour vous expliquer cela. Donc, d'abord, dans un premier temps, ce que vous devez savoir, c'est que cette bourse-là, on ne facture pas. Pour pouvoir postuler, l'admission est totalement gratuite. Voilà. Et pour tous ceux qui veulent postuler, sachez qu'il y a aussi des pays. Bon, on va revenir tout à l'heure dessus pour vous montrer un peu, pour vous dire un peu quels sont ces pays-là. Et puis, on va essayer un peu de les énumérer. Voilà, excusez-moi. Donc, je disais, la bourse concerne la licence, le master et les cycles courts. Cette bourse, elle est entièrement financée, c'est-à-dire en ce qui concerne les voyages et tout ça, si vous voulez dire frais de voyage à l'international, voilà, c'est assuré par une société. Mais de toute façon, c'est la bourse et il y a les allocations de subsistance, voilà, pour une année par exemple comme ça. Chaque fin de mois, vous avez 1150 € par mois, voilà. Et il y a aussi des frais d'assurance maladie et tout ça. Et aussi, il y a des frais de mission indirects, c'est-à-dire pour ceux par exemple comme ça qui vont aller faire des stages. Voilà, il y aura, s'il y a des stages à faire et que vous devez faire un déplacement et tout ça, c'est cette bourse là qui se charge de ça. Donc, c'est-à-dire que en fait, ceux qui vont pouvoir postuler à cette bourse, vous avez la libre circulation, vous avez une totale ingérence, voilà, et vous êtes pris en charge totalement. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà, donc pour pouvoir postuler à cette bourse là, sachez que. En ce qui concerne les éléments du bachelor, ceux qui veulent faire par exemple comme ça
la licence. Voilà, vous avez deux options. Vous pouvez faire une spécialisation en analyse des données d'entreprise, ou bien vous pouvez faire une spécialisation en pédiatrie, ou bien en néonatologie. Donc, ce sera à vous de voir. Maintenant, ceux qui vont faire le master, par exemple, il y a plusieurs éléments de master. Je peux donner quelques exemples. Vous pouvez faire une spécialisation en droit humain, spécialisation en gestion des risques et des catastrophes à l'aide de l'atmosphère. Vous pouvez faire aussi des spécialisations en économie internationale, microfinance, voilà, sciences de la santé, santé publique. De toutes les façons, même en design ou en designer, comme designer, vous pouvez, de toutes les façons, vous allez voir tout ceci en ligne. Je vais mettre le lien en commentaire ou bien en description, où vous allez pouvoir aller là-bas. Et puis moi aussi, je vais essayer comme ça de vous montrer comment est-ce qu'il faut postuler pour que vous puissiez le faire facilement. Voilà. Donc, comme je disais, maintenant, pour pouvoir postuler à cette bourse-là, il y a des éléments qu'il faut remplir, il y a des conditions. Voilà. D'abord, il faut être de nationalité des pays éligibles que je vais citer. Voilà. Donc, il y a des pays qui sont éligibles. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas, votre pays ne s'y trouve pas, voilà, cela signifie que vous ne pouvez pas postuler. Donc, je vais essayer comme ça ici de donner quelques pays pour que vous puissiez savoir. Mais de toute façon, sur le site, il y a ces pays-là et vous allez vérifier si votre pays ne s'y trouve pas, vous ne pouvez pas. Donc, on a le Bénin, on a la Bolivie, on a le Burkina Faso, Burundi, Cambodge, il y a Cameroun, il y a Cuba, République démocratique du Congo, Équateur, Éthiopie, Haïti, Indonésie, Kenya, Madagascar, Maroc, Mozambique, Népal, Niger, Pérou, Philippines, République de Guinée, Conakry, il y a Rwanda, il y a Sénégal, il y a Afrique du Sud, Tanzanie, Tunisie, Ouganda, Vietnam et Zimbabwe. Donc, ça veut dire quoi? Si votre pays ne se trouve pas, ça veut dire que vous ne pouvez pas postuler à cette bourse-là. Voilà, donc dommage, mais ce sont les conditions qui sont là. Donc, nous continuons un peu sur les conditions encore. D'abord, il faut être de ces pays-là, de l'un de ces pays-là. Voilà. Après cela, il faut être titulaire d'un diplôme assimilable à un troisième cycle, ou bien il faut être titulaire d'un diplôme pour ceux qui veulent faire le master, ou bien la licence du baccalauréat et le master, il faut être titulaire de licence. Ça, c'est ce qui est normal. Voilà, et il y a un point que vous devez savoir, c'est quoi? C'est de posséder une expérience professionnelle pertinente. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, travaillé dans une structure, si vous voulez faire, par exemple, les mathématiques ou bien la statistique, et que vous avez au moins travaillé dans une structure où on vous a employé en tant que ingénieur statisticien ou bien celui qui relève des données statistiques, voilà, vous pouvez aussi le faire. Vous comprenez? Voilà. Donc, après cela, il y a la quatrième condition qui est quoi? Qui est d'avoir au moins une langue, c'est-à-dire soit le français ou bien l'anglais. Voilà, donc là, ce n'est pas vraiment une histoire de je ne peux pas postuler parce que c'est soit français ou anglais. Voilà, donc. Et ensuite, vous pouvez postuler en ligne pour pouvoir obtenir cette bourse-là. Voilà, et comme je l'ai dit, c'est hyper gratuit, hyper gratuit. Donc, si vous voulez postuler, sachez que la date limite, c'est au plus tard le 28 janvier 2022. Donc les gars, tout à l'heure, je vais faire une vidéo. Voilà, je vais faire une vidéo comme ça pour vous montrer comment est-ce que vous devez postuler pour que vous sachiez au moins comment le faire et puis comment gérer. Pour ceux qui n'ont pas d'aptitude professionnelle, sachez qu'il y a une technique pour pouvoir remplir cette partie-là. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, je vous donne seulement des astuces pour que vous puissiez au moins postuler à cette bourse. Ok, les gars, à plus et c'était moi, Sam Hospital. Vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Russo 225. À plus, les gars. Salut, 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 les gars. Voilà, c'est tout le monde de Sam Hospital. Et vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Russo 225. Donc aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter une bourse, voilà. Et c'est la bourse italienne de Bologne. Mais avant de passer à la bourse, je vais d'abord répondre à quelques questions que
d'autres abonnés m'ont posé. Voilà. En ce qui concerne comme ça la bourse de l'Autriche, voilà, c'est la bourse de l'Autriche. En ce qui concerne la bourse de l'Autriche, pour les lettres de recommandation, vous savez déjà que les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler, c'est-à-dire vos documents, doivent être en anglais. Donc, en ce qui concerne la lettre des recommandations, vous devez aussi rédiger cette lettre-là en anglais, y compris la lettre de motivation. Donc, il n'y a pas d'exception, même si c'est un professeur de français qui a rédigé, il doit rédiger la lettre en anglais. Voilà, donc il n'y a pas d'exception pour télécharger des éléments en anglais et rédiger une lettre en français. Vous voyez qu'il n'y a pas de, ça ne coïncide pas, il n'y a pas de corrélation. Donc, ce que vous devez faire, vous devez mettre tous les documents en anglais. Voilà. Et en ce qui concerne la bourse de la Belgique, j'ai déjà fait une vidéo. Donc vous allez postuler avec cette vidéo-là. Et puis, comme je vous ai déjà dit, ceux qui n'arrivent pas à postuler, vous pouvez nous contacter inbox pour qu'on puisse vous aider à postuler. Je me suis arrêté à l'étape où je dois attendre 24 heures avant qu'on me réponde pour que je puisse continuer. Vous comprenez? Donc si on me répond, je vais continuer, mais je sais qu'ils vont pas me répondre parce que les données que j'ai rentrées sont pas de vraies données, vous comprenez? Voilà. Donc aujourd'hui, je suis juste là pour la bourse italienne, la bourse de la Bologne. Donc pour ceux qui veulent postuler, sachez que c'est les mêmes éléments. Vous devez avoir votre passeport, vos diplômes, plus les relevés et tout ça. Et en ce qui concerne la langue, vous n'êtes pas vraiment obligé de connaître l'italien avant de pouvoir postuler parce que vous allez faire des cours de première année là-bas en Italie, voilà, dans la langue italienne. Et mais ce qui est important, c'est quoi? C'est le test d'entrée. Si vous choisissez par exemple mathématiques, voilà, il y a 90% de chances qu'on vous demande de faire un test d'entrée. Mais le test d'entrée n'est pas vraiment très accéléré, c'est-à-dire n'est pas vraiment très difficile, très compliqué. Voilà, mais il y a des filières qui sont exemptées du test. Voilà, vous n'allez pas faire le test, vous allez pouvoir postuler directement. Et pour les mathématiques, c'est très important parce qu'il faut avoir une base pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Voilà, donc les gars, je vais juste vous montrer un peu, pour trêve de bavardage, je vais juste vous montrer un peu comment est-ce qu'il faut postuler pour pouvoir passer de l'admission et aussi avoir cette bourse-là pour pouvoir postuler. Voilà, donc je répète encore, cette bourse-là, pour ceux de la licence, ça ne vous concerne pas parce que pour vous, la date pour pouvoir postuler, c'est en février. Mais actuellement, ça concerne ceux du master. Voilà, et ce qui veut faire les éléments, les titres uniques, c'est-à-dire ce qui fait des spécialités. Vous comprenez? Voilà, donc pour le master, la date pour pouvoir commencer, c'est déjà commencé depuis le 3 décembre et ça va finir en mars 2022. Vous aurez les résultats en juin 2022. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, les gars, on y va et puis on va essayer de le faire ensemble. À tout à l'heure, les gars.